Allez. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Elles sont 17. 17 femmes à prendre soin des lutins de Souffol. Nous sommes au multi-accueil de la commune où chaque jour ces petites mains protectrices participent à l'éveil des enfants. Bonjour Esteban, tous les matins avec les copains, on chante ce refrain. Comme les parents. On est aux petits soins, toujours dans la bienveillance avec les enfants. Et on rigole bien avec les bébés. On passe de super bons moments toute la journée. J'assure une sécurité physique et affective au quotidien. On les accompagne au quotidien dans le sommeil, l'alimentation. On accompagne les familles. C'est un travail très, très prenant, mais c'est vraiment une passion. Une passion à différents métiers, souvent méconnus. Elles sont agents sociaux, diplômées du CAP Petite Enfance, auxiliaires de puériculture, éducatrices spécialisées, éducatrices de jeunes enfants et puéricultrices. Elles donnent beaucoup, mais elles reçoivent aussi. Les enfants, ils, par leur progrès, par leur réaction, nous motivent à être toujours plus inventives. Aujourd'hui, Sylvie, agent social, a prévu un parcours de motricité. On mélange tout ce qui est les cinq sens, le sensoriel, tout ce qui est son. Tout ce qui est tout ce qui éveille le sens de l'enfant et qui lui permette de ressentir des émotions. Elle a pris pour habitude aussi de noter des évolutions, des anecdotes. Chacun le fait selon son cœur et selon son émotion. C'est très personnel. Voilà, les notes, elles doivent être concises, mais elles doivent être parlantes. Encore, madame. Je vais chercher de la peinture là dans le pot. Avec un autre groupe, Patricia a organisé un atelier peinture. L'auxiliaire de puériculture exerce ce métier depuis 20 ans. Tous les jours, c'est différent. C'est, les journées en crèche ne sont pas. Voilà, il y a une dynamique, c'est toujours différent. Et voir l'évolution des enfants aussi, parce qu'on les accueille bébés et on passe 3 ans quand même à accompagner ces enfants. Donc c'est bien de le voir grandir. Les métiers indispensables de la petite enfance sont intimement liés au quotidien des familles et contribuent à l'éveil et au développement des jeunes enfants. À l'occasion de la journée de la femme, la commune salue leur travail au quotidien, tourné vers un seul objectif, le bien-être de vos enfants.